toutes. Vous allez bien? Vous êtes bien reposés depuis hier? Alléluia. Je vous demandais de vous lever et le message est commencé maintenant. Alléluia. Vois donc le Seigneur dans l'éclat de sa beauté. Donc le Seigneur, il est saint et exalté. Oh, vois donc le Seigneur ce matin. Vois donc le Seigneur dans l'éclat de sa beauté. Vois donc le Seigneur. Tu es bon, rien ne nous séparera. Alléluia. Tu es bon.
pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Ta sainte présence. Alléluia. Ceux qui nous étaient annoncés. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, il a été blessé pour mes péchés. Il a été blessé pour tes péchés. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Alléluia. D'une même voix, la terre et le ciel chantent saint, 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 saint. D'une seule voix.
déplacé. Seigneur, nous prions pour ta sainte présence. Et Saint-Esprit, je te remercie parce que nous savons que tu es présent dans ce lieu. Et Seigneur, nous avons décidé ce matin d'avoir un cœur ouvert pour ce que tu veux nous dire, Seigneur. Père, je prie afin que chaque cœur soit attentif à ta parole, Seigneur, à l'amour que tu veux communiquer ce matin à travers ta parole. Seigneur, je prie afin que tous mes mensonges de l'ennemi soient déracinés, Seigneur, dans nos vies, afin que nous puissions vivre cette vie abondante que tu as remportée pour chacun d'entre nous sur la croix. Merci, Seigneur, pour les yeux ouverts ce matin. Les yeux, Seigneur, qui voient briller l'évangile de gloire, la bonne nouvelle, Seigneur, du salut. Seigneur, je prie que chacune des vies ici présentes et chaque personne qui nous regarde par Internet soit transformée, soit révolutionnée, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Non, je ne vais pas m'asseoir. Alléluia. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez avec le micro? J'ai l'impression que c'est mon micro ne marche pas. Ça marche? C'est bon? Ok. Aujourd'hui, c'est un message qui est un peu particulier par rapport aux autres dimanches. C'est un message qui va parler du salut. Et l'un de mes versets préférés, enfin l'un de mes passages préférés, on vient de le lire à l'instant, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Et j'ai un autre verset préféré, qui est connu, je crois, de tout le monde, c'est Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... » Est-ce qu'il y a des quiconques dans la salle? Levez la main les quiconques. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que ce quiconque ait la vie éternelle. » Et dans ce verset, il y a vraiment tout. Il y a tout ce qui fait vibrer mon cœur. Il y a tout ce qui me fait, voilà, qui remue mes entrailles, qui remue des choses à l'intérieur, parce que je réalise à quel point Dieu m'a aimé. Est-ce que quelqu'un réalise à quel point Dieu t'aime ce matin? Ou est-ce que tu penses que tu es tellement un sale pécheur pourri? Une sale pécheresse pourrie que Dieu a mis une croix sur toi. Moi, je ne crois pas. Je crois que Dieu nous a créés et que Dieu nous a voulu. Si nous sommes sur la terre, peut-être que des hommes et des femmes, des méchantes personnes ont dit que tu étais un accident. Mais il n'y a pas d'accident dans le royaume de Dieu. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui est né sur cette terre n'est pas un accident. Mais a été voulu par Dieu. Et peut-être que les circonstances de la vie, peut-être que les gens qui devaient prendre soin de toi n'ont pas fait leur travail. Mais ça n'empêche pas que Dieu a un plan pour toi. Ça n'empêche pas que Dieu t'a désiré avant même la création du monde. Avant même qu'il ait créé le premier atome, il a pensé à toi. Et ce matin, j'aurais pu te parler de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, qui prouve l'existence de Dieu. Et vous savez, en tant qu'informaticien, même d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre comment des informaticiens ne peuvent pas croire en Dieu. Pour moi, c'est un mystère. C'est vraiment un mystère. Il faut vraiment que le gars... Bref. Et vous savez, dans l'infiniment petit, il y a ce qu'on appelle l'ADN. Et l'ADN, c'est une particule, une cellule qui a tellement d'informations dedans, des millions, des milliards d'informations simplement dans l'ADN, si tu prends l'infiniment petit simplement.
Et moi, en tant qu'informaticien, je sais que un programme, c'est un ensemble d'informations aussi. Et pour le concepteur qui a créé cette information, qui a créé ce programme, il faut que chaque donnée soit à sa place. Et même des fois, on appelle ça un bug. Vous avez déjà entendu parler des bugs ? Oh, il y a un bug. Pourquoi il y a un bug ? Parce que mon programme ne marche pas, il ne fait pas ce que je veux qu'il fasse. Il ne fait pas ce que je veux pour la raison pour laquelle je l'ai conçu. Et donc, il y a des gens qui sont là pour débugger le programme. Tu connais ça, Romy ? On va débugger le programme, il y a un souci. Et bien souvent, c'est une toute petite chose. Ça peut être une virgule, ça peut être un tiret. Et à cause de ça, simplement, ça met la pagaille dans ton programme, il ne marche pas. Donc comment on peut penser, en tant qu'être humain, qu'on est là comme ça, par hasard, que personne n'a pensé à nous créer ? Donc j'aurais pu vous parler de ça, mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. J'aurais pu aussi vous parler de la Bible, qui est un miracle de Dieu en elle-même. De la Bible avec toutes les prophéties qui ont été concernant Jésus avant son arrivée. Et quand tu regardes ce qui a été écrit avant l'arrivée de Jésus, tu peux dire, mais comment, en lisant la Bible, on ne peut pas réaliser que Jésus est le Fils de Dieu ? Comment on ne peut pas réaliser que Jésus est Emmanuel, celui qui devait venir pour nous sauver ? Mais je ne vais pas vous parler de ça ce matin. J'aurais pu aussi vous parler du pari de Pascal. Vous savez le pari de Pascal, mais je ne vais pas vous en parler. Qui nous démontre que si jamais c'est vrai, que celui qui croit à la bonne nouvelle, eh ben il gagne tout. Et si jamais c'est vrai, celui qui ne croit pas à la bonne nouvelle, il perd tout. Mais je ne vais pas vous en parler ce matin. Est-ce que vous voulez que je vous raconte la blague d'hier soir ? Qui était là hier soir ? Vous avez vu, j'ai essayé de raconter une blague et je crois que le fait de raconter cette blague, c'était encore plus drôle que la vraie blague. Mais je vais vous raconter la vraie blague parce que j'ai promis à certaines personnes. Et après, mais je vais la lire, comme ça je sais que je ne vais pas me planter. Et vous allez comprendre pourquoi je me suis un petit peu mélangé les crayons hier soir. Il faut vraiment suivre, quoi. Elle est subtile cette blague. Alors, elle est où d'abord ? Vous êtes avec moi ? Voilà donc ce fameux avocat, vous vous rappelez ? L'avocat et le vieux monsieur dans l'avion. Donc l'avocat dit comme ça, vous pouvez me poser toutes sortes de questions, politiques, bioéthiques, etc. Si je ne réponds pas à votre question, je vous donne 300 euros. Et ensuite, c'est moi qui vous poserai la question. Et si vous ne répondez pas à ma question, vous me donnez 5 euros. Ça vous paraît OK ? Donc le monsieur réfléchit un petit peu, il dit OK. Donc le vieux monsieur commence et dit, qu'est-ce qui a deux pattes en montant et qui a trois pattes quand il redescend ? Alors l'avocat, il se gratte la tête et il dit, mince, c'est la première fois que ça m'arrive dans sa tête. Il dit, ça, c'est la première fois que ça m'arrive où je ne peux pas répondre à la question d'un gars aussi humble. Et donc l'avocat, il dit, ben, je ne sais pas. Et il sort les 300 euros et il donne au vieux monsieur. Et ensuite, justement, il dit au vieux monsieur, mais enfin, dites-moi, qu'est-ce qui a deux pattes en montant et trois pattes en redescendant ? Le vieux monsieur le regarde avec un sourire, il sort 5 euros de sa poche et il donne à l'avocat. Vous voyez, elle était bonne quand même. Et des fois, nous, les êtres humains, on croit qu'on est tellement intelligents. Et Dieu simplifie les choses et rend les choses tellement simples qu'on peut passer à côté. Et comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on regarde simplement la création, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a un Dieu. Lorsqu'on regarde l'espace, lorsqu'on regarde la complexité, la beauté, on ne peut pas s'empêcher de voir qu'il y a un Dieu. Et c'est vrai que certaines personnes vont me dire, ouais, mais s'il y a un Dieu, pourquoi il y a des guerres ? Pourquoi il y a des souffrances ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Je suis content que tu m'aies posé la question. Il y a un Dieu, mais il y a aussi un diable. Et le diable, ce n'est pas un être, ce n'est pas une invention pour faire peur aux petits-enfants lorsqu'ils n'allaient pas se coucher. C'est un être réel. Il faut que nous réalisions qu'en tant qu'être humain, nous vivons dans trois dimensions.
la dimension de l'espace, la dimension du temps et une dimension spirituelle. Et j'aime à dire que si les personnes qui ne croient pas en Dieu, ils vivent sur deux dimensions. Mais nous, on vit en 3D. Ok, on a la dimension spirituelle et c'est la chose la plus importante. Parce que la dimension spirituelle parle de ton éternité. Elle parle d'où tu vas passer, où tu vas passer ton éternité. Et vous savez que même le temps que nous passons est insignifiant par rapport à l'éternité. Et le diable essaye de nous, de nous encombrer avec toutes sortes de choses pour nous empêcher de penser à l'essentiel. Et dans la vie, il y a toutes sortes de choses qui sont intéressantes, mais des fois, on peut passer à côté de l'essentiel en se concentrant sur des choses qui sont secondaires. Et la chose la plus précieuse que tu es aujourd'hui, c'est ta vie, c'est ton âme. Et je voudrais te parler de l'amour de Dieu ce matin. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu a tout fait par amour. Dieu t'a créé même par amour, parce qu'il t'aime. Et il a décrété que tu étais une créature merveilleuse. Dieu a pensé à chacune de tes journées. Et vous savez, j'ai réalisé que on a 8400 secondes. Non, pardon, 86400 secondes à vivre chaque jour. Mais demain, peut-être que ce crédit ne sera pas renouvelé. Demain n'est pas une promesse. Aujourd'hui est le jour de la réconciliation. Amen. Aujourd'hui est le jour du salut. Alors, je vais vous parler de l'amour de Dieu avec une autre histoire. Qui est-ce qui vient là pour la première fois ce matin? Levez la main, la personne. J'ai un cadeau pour vous. Si vous venez pour la première fois, j'ai un cadeau pour vous. Voilà, on peut distribuer ceux qui viennent pour la première fois. Faites passer. Ok, pardon, désolé. On peut faire passer. Voilà, j'en ai encore. Alors justement, le cadeau que je vous ai donné, je vais raconter aux autres, puisque moi, je n'ai pas de cadeau. Et justement, ce cadeau parle d'une histoire, de l'histoire d'un père qui a donné la vie de son fils pour sauver des gens. En fait, l'histoire de ce père, c'est l'histoire d'un garde-barrière qui était un homme simple, un homme humble, et il avait une chose précieuse dans sa vie, c'était son fils. Son fils âgé à peu près d'une dizaine d'années. Donc, il était le garde-barrière. Et lui, en fin de compte, son job, c'était de faire en sorte que quand le train venait, qu'il baisse les deux ponts, comme ça, pour que le train puisse passer. Et donc, c'était son job. Et son fils était un jour avec lui. Et malheureusement, par accident, le fils est tombé dans le mécanisme qui fait en sorte que le pont s'ouvre et que le pont se referme. Et là, le train arrive, malheureusement. Et le pont était ouvert. Donc, il y avait une décision que cet homme devait prendre. Soit il sauvait son fils, et tous les gens qui étaient dans le train, ils mouraient, parce que le pont n'avait pas été baissé. Ou soit il laissait mourir son fils et il baissait le pont et il sauvait toutes les autres personnes. Donc vous allez voir dans le DVD, on voit toute l'histoire. Et en fin de compte, l'homme a pris la décision que Dieu, notre Père, a pris aussi. Il a baissé le pont. Et vous voyez que la déchirure dans le cœur, parce qu'en baissant le pont, il savait qu'il condamnait son fils. Et son fils, en même temps, a regardé le père. Et lui, il sait exactement ce qui se passait. Il a réalisé, il savait que son père l'aimait. Mais il savait aussi que lui, il était capable de donner sa vie pour sauver ces personnes. Et ce qui est dramatique, donc le fils est mort. Et le train a été sauvé, toutes les personnes ont été sauvées. Et ensuite, à la fin du film, on voit le papa qui court sur le quai et les gens qui reprennent leur petite vie comme si rien ne s'était passé. Et seules 2-3 personnes ont changé leur vie parce qu'ils ont senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est un peu ce qui se passe avec notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans.
Dieu le Père t'a tellement aimé. Il a dit, il ne faut pas que tu ailles en enfer. Et chacun d'entre nous, nous étions sur une voie, nous allions en enfer à cause du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. Et quand tu es séparé de Dieu, tu es en enfer, carrément. Et Dieu a dit, il ne faut pas que quiconque, toi, aille en enfer. Donc il s'est allié avec son Fils et Jésus a souffert pour toi. Donc on va prendre Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 39. Donc c'est Jésus dans le jardin de Gethsémané. Il est dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'était quand la dernière fois où tu étais tellement angoissé que des grumeaux de sang sont sortis de ton front. Et Jésus a vu les souffrances qu'il allait souffrir pour toi et pour moi. Pas seulement les souffrances de la croix. Et un peu plus loin, on voit dans la parole de Dieu que les soldats se sont moqués de lui, qu'on a craché sur lui. Donc imagine-toi, imagine, c'est pas simplement, ça s'est passé réellement. Et à chaque fois que Jésus a accepté ça, il pensait à toi et il pensait à moi. Ces souffrances qu'il a subies, c'est moi qui aurais dû les subir. Ces crachats qu'on a mis sur lui, c'est moi qui aurais dû les recevoir. Ces coups de fouet qu'on a mis dans son dos, c'est moi qui aurais dû les recevoir. Et c'est toi aussi. Ne regarde pas comme si j'étais le seul pécheur. Ces clous qu'on a mis dans ses mains et dans ses pieds, c'est toi et moi qui aurions dû les recevoir. Et la Bible dit qu'il a même été plus loin, il a été en enfer, à ta place et à ma place, afin que nous ne passions pas notre éternité en enfer. Et pourquoi ce message me fait vibrer, ce verset me fait vibrer, parce qu'il me rappelle que Dieu m'a tellement aimé, qu'il a prouvé son amour en mourant pour moi. Et comme je dis souvent, ce n'était pas une coquetterie de langage, il l'a fait réellement. Donc quand je regarde ma vie, je me dis, Jean-Pierre, tu n'as pas le droit de faire de ta vie n'importe quoi. Parce qu'un prix a été payé. Jésus a souffert pour toi. Et dans ce jardin de Gethsémané, quand il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, il a pensé à toi et il a pensé à moi. Afin que nous vivions cette vie en abondance. Aujourd'hui, tu peux tout recommencer. Aujourd'hui, tu peux te centrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, tu peux être réconcilié avec ton Dieu, quel que soit ton péché. Je dis, quel que soit ton péché. Aujourd'hui peut être un jour nouveau. Aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon. Et Dieu, le Père, le cœur du Père t'attend. Et Dieu ne va jamais violer ta volonté. Il ne va jamais t'obliger à le suivre. La plus grande puissance de Dieu, c'est son amour. La plus grande puissance du diable, c'est le mensonge. Et la plus grande puissance de l'homme, c'est son choix. Que vas-tu choisir aujourd'hui? L'amour de Dieu ou le mensonge de celui qui veut te tuer, te détruire et te maintenir en enfer? Alléluia. Est-ce que je peux avoir le groupe de louanges? Aujourd'hui est le jour du salut.
Et Dieu veut te dire qu'il n'est pas contre toi, quel que soit ce que tu as fait. Jésus a réglé le problème du péché. C'est vrai que le péché te conduisait en enfer et te séparait de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus est disponible pour te laver, pour te purifier et pour faire de toi un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, tu peux tout recommencer. Alléluia. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a deux raisons pour lesquelles je déteste le péché. Vous voulez savoir lesquelles ? Deux raisons principales. La première raison, c'est que le péché a cloué Jésus sur la croix, il l'a fait souffrir. Et ça, je me dis, je ne peux pas faire n'importe quoi avec ma vie. La deuxième raison, c'est parce que le péché donne de la puissance au diable sur ta vie. Est-ce que vous m'avez bien entendu ? Le péché donne de la puissance au diable sur ta vie. Le péché exige un salaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a réglé le problème du péché. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de venir vers lui, de dire « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi de cette puissance du péché, afin que je vive cette vie que tu as prévue pour moi avant la fondation du monde. Seigneur, aujourd'hui, je veux tout recommencer. Je te demande pardon. Comme le disait le chant tout à l'heure, j'étais errant. Je faisais n'importe quoi. Et même des choses qui, on dirait que c'est plus fort que moi, je suis obligé de les faire. Et je suis en train de me demander, mais est-ce que je vais vivre toute ma vie avec cet esclavage, avec cette chose honteuse que moi seul connais ? Mais aujourd'hui, l'amour du Père pour toi, le battement du cœur de Dieu pour toi, c'est mon enfant. Aujourd'hui, tu peux être libre. Aujourd'hui, tu peux être délivré. Aujourd'hui, tu peux vivre cette vie abondante que j'ai prévue pour toi avant la fondation du monde. Alléluia. Je demande à l'équipe de suivi de me rejoindre. Alléluia. Je crois que Dieu est en train de parler au cœur de beaucoup d'entre nous ce matin. Et je crois qu'il n'a pas commencé ce matin simplement, mais que durant même la semaine, Dieu a parlé à ton cœur. Tu ne savais pas exactement qu'est-ce qui se passait. Mais aujourd'hui, je crois que c'est un rendez-vous divin que tu as avec ton Dieu. Peut-être que dans le passé, tu as connu le Seigneur et tu t'es éloigné. Donc cet appel est aussi pour toi, pour que tu refasses, que tu te réconcilies avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, ok, j'ai fait n'importe quoi, mais je veux vraiment vivre cette vie que tu as pourvue pour moi. Alors, cet appel s'adresse à toi. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de l'amour de Dieu pour toi, du message de l'Évangile, et tu veux devenir enfant de Dieu, tu veux être réconcilié avec Dieu, tu veux que tes péchés soient pardonnés. Et tu veux avoir cette assurance que si jamais tu mourais tout à l'heure, tu irais au ciel. Alors cet appel s'adresse aussi pour toi. Donc je vous encourage à venir, à vous approcher pendant qu'on va chanter. On va prier avec vous. Seigneur, tu me cherches.